Le général Sékou Bakonaté a visité hier le mémorial Pierre Savornier de Braz. À l'issue de la visite, ce grand homme de la Guinée a dit sa satisfaction à nos équipes sur place. Notre équipe a été conduite par Ed Chevridias. Sa présence à Brazzaville est liée au cinquantenaire des forces armées congolaises. Nom et prénom, Sékou Bakonaté. Pays d'origine, Guinée. Général, c'est un militaire de formation. Mais que fait-il dans les jardins du mémorial de Braza? L'important ici, c'est de retenir ces quelques leçons que le guide a eu à nous briefer très brièvement. Nous avons eu à comprendre. À nous maintenant de transmettre ça à nos compatriotes. C'est bien lui qui, de décembre 2009 à décembre 2010, en tant que président de la République de Guinée, géra la transition pendant l'exil de son prédécesseur, Moussa Dadis Camara. Puis, toujours en 2010, organisa avec dextérité la présidentielle et l'investiture de l'actuel président élu, Alpha Condé. Pourtant, nous confiera le visiteur du mémorial de Braza, le mérite avant tout de revenir à ceux qu'il considère grand baobab. C'est pas facile, mais si on est là, nous écoutons enfin les conseils des baobabs de l'Afrique, des anciens qui ont eu à organiser aussi la démocratie, comme le président Sassou Nguesso, comme le président Paul Biya. Et ces gens-là, ils nous ont apporté beaucoup de conseils. Et à ces conseils-là, je crois que nous n'avons pas failli. Et c'est ça qui a pu nous conduire à l'organisation des élections chez nous en Guinée. In fine, l'ancien président de Guinée-Conakry est allé dans la crypte avant de se voir offrir un tableau dans le hall du mémorial de Braza.